comme promis, je suis accompagnée de Alejandra et Bia. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Am I saying this correctly, Alejandra? Oui. Yeah, perfect. Elle parle pas français, alors on va lui parler en anglais. Is that how you present yourself, Alejandra, or do you say Alexandra, or what do you say? No, Alejandra. Yeah. You have parents that went, like, one's Scottish and one's from Argentina. And one from Argentina, yeah. So you were raised at home speaking Spanish and English then? No, I spoke Spanish when I was a baby and we moved to Argentina, and then when we came back, it wasn't spoken anymore in the home, so. Have you lost it? Yeah, for the most part, but the pronunciation is very familiar. The sounds are very comfortable for me. Mm-hmm. So when I spend some time there, I pick up more and more. Yeah. Mm-hmm. So you're from Toronto. I was reading that you were raised in the gay area of Toronto. Is that correct? I spent a lot of time there as a teenager. Yeah, I used to work at my first job was at an ice cream shop in the gay village, and I used to stay late and sneak into gay cabaret piano bars and hang out and listen to people sing. Any particular reason or? It was great fun. Yeah. No, I'm asking because, like, I come from a small town here. Yeah. You know, like, you move to the city to go to university, and you, I don't know, I shouldn't generalize. I felt like I was, you know, the small little country girl that was naive, and I wanted to open my eyes to the world. And yeah. One of the first bars I ever went to when I was 18 was a gay bar in Winnipeg. Because I wanted to quote unquote de-virginize myself, you know, like I wanted to just not be so naive. But I really fell in love with those, like I'm not gay at all, but I fell in love with a whole gay scene, you know, and dancing, you know, like till 4 a.m. I've spent a lot of my time dancing in gay bars as opposed to straight bars, because I don't like having the whole meat market thing and having men follow you everywhere. I like being able to go dancing and just not worry about anything, you know? Yeah. So anyway, I liked reading that. Maybe a gay guy in a gay bar feels like meat. But you don't. Tarizo. Being a woman in that place makes you like invisible in a way, or just a friend, you know. But yeah. Maybe being a guy or a straight guy makes you weird. Yeah. No, I can see that, because like women won't hit on you so badly. But in a gay bar, men are still hitting on men, right? Like as straight men would hit on women, then they're. I know I've brought a lot of my straight friends into gay bars, and they've had some things grabbed. Anyway, this is not a. We're not talking about. This is not the point of this interview. It's gone on quite the tangent, though, yeah, hasn't it? I have. It's a whole nother show for a whole nother hour. Exactly. And I read that, and I can kind of see that you have a tattoo on your hand that says, you know, like, escúchame, so like, listen to me, right? It's like, écoute-moi, yeah. Why did you put that there? Was a reminder to myself to listen to my body and to breathe. It's kind of a meditation signal, really. Right. Yeah. Well, it turns out pretty, like, it's a pretty interesting tattoo to have now that you're making music and, you know, like, it's, you know, inviting people to listen to you as well, so. Yeah. It's pretty cool. So the write-ups that I've read about you are about, you know, like comparing to some pretty great singers. How do you feel being compared to people with such great talent? Oh, well, it's a huge, huge compliment and very flattering when someone thinks that, you know, you remind them of someone that you admire. That's always a lovely thing. It's very flattering, and it's a very personal taste thing. I mean, the comparisons are so wide and so vast. Like, some people say Tom Waits, other people have said Edith Piaf, mm-hmm. other people have said Mary Margaret O'Hara. I mean, it's at the end of the day, you know, people think what they think, and you can't spend too much time paying attention, because you're busy doing your music, and that's what you're doing. Well, you just got to be happy that they like it. Yeah, you know, when they do. Yeah. Et puis, Bia, est-ce que ta musique, elle est beau? Comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais? Ça, c'est la pire question du monde. Oh mon Dieu, je peux pas la décrire parce que c'est,
C'est un, j'ai des goûts, une façon de m'exprimer ou de composer ou de choisir mon répertoire qui est des coups de cœur, des choses qui me plaisent, qui me touchent. Bien sûr, j'ai, comme je suis brésilienne, j'ai ces racines-là qui sont très présentes, mais j'ai vécu une grande partie de ma vie en France et ensuite au Québec, donc la chanson française est au même niveau dans mon cœur, dans mes choix, dans les choses que j'écoute, les mots que j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment ma musique. Je cherche même plus à m'insérer dans une case parce que ça n'a jamais été quelque chose de facile à faire. À mes débuts, c'était difficile même pour les disquaires de dire est-ce que c'est chanson francophone, est-ce que c'est musique du monde, qui est quelque chose qui est un peu un sac fourre-tout où on met tout ce qui n'est pas ou francophone ou anglophone. Finalement, j'ai la chance que la plupart des gens qui me connaissent, enfin dans le métier, ont cessé de bon, c'est Bia et puis bon parce que ça me permet de pas me restreindre aussi. Là, aujourd'hui, avec Alejandra, on a choisi un répertoire qui est tout en espagnol. Parce que c'était un peu notre dénominateur commun, puisque l'espagnol, c'est ma seconde langue. Et elle chante en espagnol. Donc, plutôt que faire un peu en français, un peu en anglais, un peu en portugais, et que ça devienne un petit peu la foire à tout, on a choisi des choses qui toutes sont en espagnol. Donc, il y a un côté romantique assez fort, des beaux textes, de la belle musique, avec où on peut donner notre le côté un peu femme aussi. Et ça nous a bien, comment dire, amusé et puis ému aussi de toucher à ce répertoire, dont une chanson de quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans notre vie. Pour Alejandra, c'est plus une importance musicale. Pour moi, c'est une importance personnelle, qui est Lassa de Sela, une grande chanteuse qui est décédée il y a 2 ans, qui était une très proche amie à moi. Et il y a une chanson d'elle, une chanson en espagnol, qui nous a tout de suite paru comme une évidence de lui rendre hommage, parce que c'est aussi en rendant hommage à Lassa dans un spectacle qui a eu lieu à Montréal il y a quelques mois qu'on s'est rencontrés. Ah oui. Alors, vous connaissiez avant de faire Pour un soir seulement? C'est une coïncidence que quelques jours après qu'on m'ait dit, voilà, t'es invité à faire cette émission avec une chanteuse qui s'appelle Alejandra Ribeira, tout de suite après, on m'a dit, ah, on va faire un spectacle en hommage à Lassa, et parmi les chanteurs qui sont là, il y a Alejandra Ribeira. J'ai dit, oh oh. Donc c'est l'occasion de toucher les antennes, de voir quelle affinité on va avoir, de parler un peu de ce qu'on a envie de faire. Mais ça a été au-delà de... C'est une de ces... Pour moi, je profite parce qu'elle comprend rien du tout de ce que je raconte. Pour mais moi, elle sourit. Mais elle sourit bêtement parce qu'elle ne sait pas de quoi je parle. Je profite pour dire que c'est une de ces belles rencontres de la vie où tu rencontres quelqu'un dans le cadre du travail. C'est une belle aventure toujours. Mais parfois, tu découvres un ami. Et une personne avec qui tu as une affinité d'âme, de cœur, par rapport à la vie en général, pas seulement à la musique, à l'art qu'on peut faire ensemble. Donc c'est quelqu'un que tu veux garder près de ta vie, que tu as envie de voir pour boire un thé, puis raconter tes petites histoires, plus que juste partager une scène. Mais ça rend encore plus fort le fait de partager une scène parce qu'on a comme une amitié qui est née à ce moment-là. Wow, quelle histoire. Do you agree with me, Alejandra? Say yes. Oh, every word. Every word. Est-ce que c'est la première fois que vous avez partagé une scène ce soir ensemble? Ben justement, non, puisque ce spectacle en hommage à Lassa, qui a été donné au mois de novembre dans le cadre des Coups de cœur francophones, un grand festival. Ensuite, il y a eu les 2 soirées au Théâtre Rialto à Montréal, qui étaient d'autres hommages à Lassa aussi, parce qu'on célébrait ou on commémorait, en fait, je sais plus comment dire ça, les 2 années de sa disparition. Ouais, je pense que le mot c'est commémoration, ouais, qui célébration. Excusez-moi Lassa. Et donc là, on a repartagé la scène. On n'a pas nécessairement chanté ensemble, mais on était avec plein d'artistes, dont d'autres artistes qui sont là ce soir, comme les Barr Brothers. Ah oui. Et aussi qui étaient là récemment, donc Katie Moore et Ariane Moffat. On était tous ensemble pendant 2 soirs. À chanter les chansons de Lassa qu'on aimait tous. Donc c'est très émouvant de se retrouver à Winnipeg. C'est comme si on était une famille et grâce à cet événement, on avait trouvé des frères et sœurs, des cousins. Oui. Cool. Alejandra qui dit oui. Alors, there must be a part of you that understands French then. Yeah. Well, I'm learning. I started to take classes, but not enough to. I said
I wouldn't feel comfortable to do an interview. It would be the world's longest interview, because by the time I get this sentence out, your interview is over. It's really nice that Alejandra now is like living in Montreal and recording there, and she started to take French lessons, which is really cool, because in Montreal, you have to be bilingual, because it's the city is all about that. And yeah. And I think she's getting, you know, all the people that have seen her on stage are getting crazy about her. So she's going to need all her skills in French to get through the interviews, because everybody's going to want to interview this girl. Well, thankfully, yeah. Bea is very patient. And sometimes when I'm at her house, either for rehearsal or just to hang out, she'll let me, you know, go for a little while and correct my grammar. And yeah. Oh, yeah, we shared. I was forgetting. Last week, I was doing a show in the Festival Montréal en Lumière. À l'Astral, and a very beautiful venue. And Alejandro came to sing with me one of the songs we are doing tonight. It was like a rehearsal for us. On a profité pour répéter encore. Alors, j'ai hâte. Ça risque d'être pas mal phénoménal, votre affaire. En tout cas, il y a beaucoup de complicité et d'émotion et de féminité, de sensualité dans ce qu'on a choisi d'apporter pour faire comme un cocon, pour faire comme un moment vraiment où les gens ils se sentent cosy autour du feu, à vivre quelque chose de très complice, parce que cette complicité on l'a déjà, c'est la vie qui a fait ça. On aurait pu arriver ici comme des inconnus puis tout préparer puis que ça marche pareil, mais c'est une chance qu'on puisse apporter déjà cette espèce de familiarité très chaleureuse. Je pense que les gens vont bien sentir ça, aussi bien ceux qui seront présents là qu'en voyant l'émission après. Ouais. Excellent, merci beaucoup. Merci. Thank you. Alors continue la musique.